Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de Croco.fr. Ben, nous voilà repartis sur un jeu où ça faisait un bout de temps que j'y étais pas allé. C'est Breaking Point. Nous allons aller un petit peu voir un peu les nouveautés. Je sais qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur le jeu. Donc ben, j'espère que je vais pas me faire dépouiller hein, parce que malheureusement c'est souvent ça. Ah, donc ouais, ben, je vois que la mise à jour elle est balèze, hein, ça déjà il y a des erreurs. Donc on va aller voir un petit peu si j'ai toujours un personnage ou s'il faut que j'en recrée un. Donc là je vais me connecter sur un serveur EU, hein, donc, où il y aura des joueurs francophones. On est plus de 60 hein, sur le serveur là. Donc ouais, j'ai plus de personnages, donc on découvre des nouvelles classes. Undead, donc c'est les morts-vivants. Hein. Donc là c'est un truc, ça je crois que c'est l'ingénieur qui est toujours en préparation. Hein. Donc le mort-vivant, ça peut être marrant. Hein. Ça, en fait, je joue le méchant. Détruire les survivants, manger les corps. Ils ont une vision de mort-vivant. D'accord, pour le jouer, je vois la satisfaction est limitée à 20% de la totalité du serveur. Il faut que j'ai un level 3 en Outlaw. Et level 3 Outlaw et Hunter. Donc normalement, je ne peux pas le prendre, ce qui est ça. Donc c'est dommage, parce que pour pouvoir jouer à cette classe, en fait, il faut être impérativement niveau 3 ici et ici. Donc, malheureusement, je suis ni l'un ni l'autre, je suis assez haut. Donc le Hunter, en fait, voilà, lui c'est le meurtrier. Hein. Alors je sais plus trop, hein, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Il y a la différence. Je sais qu'il y en a, ils peuvent s'allier entre eux. Alors je crois que c'est les Outlaws, en fait, c'est ouais, les Outlaws, c'est plus en fait des hors-la-loi qui bon bah eux. Ils attaquent tout le monde. Les hunters, par contre, ils se tuent même entre eux. C'est-à-dire les hunters, il y a tout le monde est tout. C'est voilà, tout le monde est une, tout le monde est une cible. Voilà, le hunter live only to kill anyone there. Donc quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais trop joué ces classes. Salut à Ketchi. Moi, j'ai jamais trop joué ces classes. Moi, j'ai toujours joué plutôt le nomade. Toujours un peu joué le nomade. Puisque j'étais dans l'idée de plus de la survie, mais bon, le Hunter ça pourrait être marrant hein, parce que j'aimerais bien jouer l'Undead pour voir. Donc, pour la première fois, on va jouer Hunter. On va jouer en Hunter et puis on va partir aller à l'est. Il faut bien tester, hein. Je teste un peu tout. Donc, voilà, déjà j'ai un beau message d'erreur qui apparaît sur mon écran. Normalement, j'ai des. Et la souris, elle n'a pas l'air d'être. Ça m'arrange pas parce que ma souris, elle n'a pas l'air d'être paramétrée comme j'avais l'habitude. D'accord, en tout cas, je sais où je suis. Alors, comment on fait déjà? Se mettre en vue Voilà, j'ai vu il y a un camion mais je pense que c'est une eh, pas forcément hein. Bon, c'est vraiment une ruine. Oui, pour l'instant, je suis vraiment en. Je suis comme un con, j'arrive pas à.
Parce qu'habitude, normalement, j'avais des paramètres avec ma souris pour jouer avec la souris. Mais là, j'ai l'impression de ne plus les avoir correctement. Alors là, je cours, je cours. Alors, je sais pas pourquoi. Là, en fait, j'ai une. Je vais regarder au niveau des réglages. Je sais pas, j'ai l'impression de. Je vois en plus qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un cadeau. En plus, c'est pour ça. Merci à Richard. Là, je vois qu'il vient de m'envoyer un cadeau sur Steam, un jeu là, que je connais pas du tout. C'est Stra Empyrion. Donc quoi, ouais, c'est peut-être pour ça que ça m'a bloqué la souris. Je viens de recevoir ça à l'instant. Hein. Alors, je vois en plus que ça me fout un bordel. Tac. Tac, tac, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça me. Bonsoir à toi, Actarius. Je comprends pas. En tout cas, je j'arrive pas à mettre en vue. Ce que je cherche à faire, en fait, c'est mettre en vue troisième personne. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Alors pourtant, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode mercenari et vétéran. Donc logiquement, je suis sur un serveur vétéran, hein, donc qui est un serveur où la troisième personne est acceptée. Pas très grave, hein, pour l'instant, on va faire sans. À moins que les touches aient changé radicalement. De toute façon, hein, c'est histoire de tester un peu les nouveautés. À première vue, ils ont rajouté du contenu. Salut, d'accord, Richard, c'est toi. Actarus, maintenant tu t'appelles. Bah, merci en tout cas pour le cadeau que tu viens de m'envoyer, là, que je viens de découvrir à l'instant. Encore un jeu spatial, décidément. Je vais en avoir un, hein, des jeux à explorer. Là, je vais courir en direction des bâtiments là-bas. J'espère que je vais pas me retrouver face à des ennemis tout de suite parce que moi je suis pas armé. Hein. Par contre, si moi je suis armé, je vais me prendre un malin plaisir. La touche entrée. Attends, ouais, t'as raison. Hein. Non, ça marche pas. Alors, attends, ouais, j'ai essayé. Hein. Touche entrée, touche supre. La touche V. Il n'y a rien qui y fait, j'arrive pas à me mettre en vue extérieure, en troisième personne. Alors il me semble avoir vu 42 minutes utile, d'accord, dans 42 minutes le serveur est shutdown. Ok, Actarius, enfin Richard, hein. Enfin maintenant il s'appelle Actarius. J'ai regardé un peu ce que c'est. Hein. Je sais pas à quoi se rapproche le jeu, si c'est un jeu qui se rapproche un peu plus de, bah je sais pas, de Space Engineer, est-ce que ça se rapproche plus d'Interstellar Rift, est-ce que ça se rappellerait, est-ce que ça se rapprocherait plus de d'Elite Dangerous? D'accord, je connais cet endroit là-bas, on s'était déjà fait trucider là à une époque quand on y jouait, quand j'y jouais intensivement. Je me souviens de l'endroit où on s'était fait prendre la partie ici à l'époque. D'accord, donc le serveur va couper, je sais pas pour quelle raison. Bah, je testerai ça, hein. Je testerai ça, puis ben sûrement que je ferai un live aussi pour voir un peu ce que c'est. Allez, on arrive dans l'église. On entend déjà du zombie. Je prends tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ça. Allez, prends la tâche, la merde. D'accord. Ça a pas changé, il faut vraiment taper. Loin, faut pas attendre qu'il soit au contact, parce que sinon c'est la merde.
On se fait éclater. J'aimerais bien trouver un peu de matos. Style éventuellement une arme quoi. Hein. Oh tiens, une pelle, mais je suis content, mais ça me sert absolument à rien. En fait, ça dépend de ta connexion. Hein. Alors, normalement, c'est pas censé laguer. Hein. Si ça lague, ben. Heureusement, je saurais pas te dire pourquoi. Hein. Tout à l'heure, ça a été assez fluide hein, le stream. Hein. Voilà, voilà qui fait. Voilà, là on commence à être un peu plus mieux. Hein. Déjà, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre le sport bag. Hop, on va prendre les bouffes. La boîte d'allumettes. Les jumelles. Tac. Alors, les munitions, on les fout là. Alors, moi j'ai déjà ça. Hein. Antiviral. Des munitions, du 12 slug, pour fusil de chasse. Je pouvais me trouver un petit fusil. Nickel. On fait le plein de trucs. Les jumelles, on va pas en prendre 40 000. Hein. J'en ai déjà un sur moi. Là-bas, là, il y a une base. Écoutez, hein. On va y aller, hein. Alors, je sais plus comment on fait. C'est 5, je crois. Pour pas rien avoir dans les mains. Voilà. Je sais pas pourquoi le... Ah, tu dois avoir un problème. Regarde aussi au niveau des mises à jour peut-être de ton lecteur, hein. Du Java, tous ces trucs-là, et du Flash, ça peut influer grandement. Hein. Donc là, bon, bah, je suis un petit peu à découvert. Hein. Mais bon, merci pour le follow de Keishi. Ouais, je me dirige en direction là, de cette espèce de base. Là, de toute façon, aux yeux de tout le monde, je suis une cible à abattre. Hein. Je suis considéré comme un tueur. Pour ça que moi non plus, je prends pas trop de précautions. Hein. Parce que moi, mon but, c'est si je croise quelqu'un, eh ben, on le tue. J'espère qu'il y a du matos ici. Surtout qu'il n'y a personne. Fou 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 fou. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est des British, c'est un des plus gros sacs. C'est pour ça que je vide tout de suite mes affaires. Et je vais prendre lui là. Voilà. Et on remplit à nouveau avec tous mes machins, là, toutes les merdes que j'ai pu trouver.
Ma water, un couteau de combat, une fusée verte. Voilà. Alors, je sais plus lequel est le plus gros, si c'est l'activité ou le British. J'ai un gros doute en fait. Je sais plus lequel c'est le plus gros. Je sais pas si c'est pas l'activité. En chèque, en tout cas, ce sont deux gros sacs. Il me semble que le British est un des plus gros. S'il y en a qui connaissent le jeu, hein, qui se souviennent, hein, qui peuvent me dire si l'activity est plus intéressante que le British ou inversement. Ça tire. Par là-bas, on dirait. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis comme un con, j'ai aucune arme. Aucune arme qui permet de tirer, d'engager à distance. Carcasse d'hélicoptère. Hein. Dire que ça, pareil, c'est mort. Prend l'habitude de se mettre à genoux quand même. Ok, donc là, il n'y a rien. On va se mettre à plat ventre. Histoire de d'être le moins visible possible. J'ai pu observer aux jumelles. D'accord, il y a un village là-bas. Il y a tout un village. J'observe hein, si j'ai pas trop de mouvement. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Ouais, il y a une bestiole là. Un chien, je pense. Est-ce que c'est un chien qui est sauvage? Est-ce que c'est celui d'un joueur? Aucune idée. Ouais, là sur le jeu, moi je suis en mode online. Hein. Tu peux d'ailleurs sur Breaking Point, il n'y a pas de mode solo. Hein. C'est uniquement sur des serveurs. Hein. Donc forcément que je suis en online. On va repartir. Hein. J'ai un gros doute avec cette histoire d'activité Ruxpack et machin. Là. On va repartir en direction du truc là. Je pense que c'est un. Je pense que l'activité est plus gros. Hein. J'avais pas souvenir qu'il y avait celui-ci là. À moins que c'est. Que c'est. Que ça a été refresh. Ouais, c'est ça. Il y a eu un refresh du serveur. Regardez-moi ça. Donc on va prendre tout de suite celui-ci. Parce que là il y a de la munition. AK-64 machin, ça sert à rien, j'ai pas de bastos. Le fait de m'éloigner, ça a dû refresh la zone. Ouais, c'est ça. Nickel, équipement d'harnais. Récupérer ça aussi.
a comme un bug là sur le truc, mais bon. On va prendre. Voilà, au moins on a au moins une arme longue cette fois. On a des choses qui sont un peu inutiles, hein, mais bon, je les garde quand même. Antiviral, ok. Il est où là cet enfoiré? Il est là. Et merde, je suis à genoux, c'est la merde. Vachement être. Faut pas être quincé là comme ça, il faut vraiment être debout. Je peux le couper le zombie. Je sais pas si ça me fait rajouter des points de couper un zombie. D'accord, ça c'est pour d'autres classes. Faut réagir vite. Hein. Ok, il a rien. Rider Women, ça c'est pour les cacher. Je retourne voir l'intérieur si je vois du matos. Ouais, j'ai pas trouvé de carte. Hein. Ouais. On reprend la mitraillette. Là, je vais en plein dans la direction du village là. Exile mode, c'est quoi ce mode là? Je le connais pas du tout. C'est quoi ce mode? On va observer un petit peu avant de se jeter comme ça. Hein. Faut se méfier, hein. On est très proche de la vide. Faut être très prudent hein, dans le jeu. Et même en étant prudent. Ok, ok, Actarus. Ok, rien du tout. C'est pas un... c'est un mouton.
l'instant, je vois pas grand chose. J'allais me cacher dans le. D'accord, d'accord. Bah toi, le mini-missile, tu m'apprends ça, je connaissais pas du tout. Donc, en effet, ça peut être très sympa. Bah, je testerai, hein. Je testerai ce mode, je connais pas du tout. Donc ouais, je notais hein, le mode exil, exil mode. Ça peut être un truc sympa à tester. Hein. Moi j'ai toujours connu Breaking Point, voilà, donc j'aimais bien trop regarder ce qui se faisait à côté. Je sais qu'ils avaient fait un machin un peu intermédiaire. J'irai me renseigner là, j'irai regarder un peu ce que c'est le machin Exil Mode. Je pense qu'il va falloir installer un client aussi. Hein. En effet, ça peut être sympa, hein. Surtout en plus s'il y a un mode survie à plusieurs. Hein. Si je pouvais arriver à trouver un groupe. Ouais bah comme ouais c'est ça, hein. J'imagine c'est un mode qui a été créé comme Breaking Point, hein. C'est des joueurs qui sont regroupés autour d'un projet et... Après l'idée elle est. Après la trouver hein, et arriver à la mettre en place. J'irai me renseigner en tout cas. Faut dire que moi ça fait un bout de temps que j'y suis pas revenu. Je me suis dit ça serait pas mal tiens, de refaire un petit tour, voir ce qu'il y a comme nouveauté. Donc déjà là je suis assez surpris qu'on puisse pas mettre la troisième personne. Je trouve que visuellement c'est plus sympa hein, pour ceux qui suivent le live. Donc là il y a une station service. On va se rapprocher de la station service, ça doit être une station qui est à l'entrée de la ville. On va essayer d'avancer rapidement avant que le serveur restart. J'essaie d'être le plus à couvert possible. Énormément hein. Ok, bah je connaissais pas du tout, mais je vais aller me renseigner hein. En effet ça a l'air très sympa ce mode exil là. Surtout si c'est en plus à la Minecraft où il faut récupérer du bois et tout, ça doit être quelque chose de balèze. Hein. Ça doit être quelque chose de très balèze, surtout en utilisant le moteur Arma 3. Voilà, ça n'irait dès que j'aurais coupé là sur celui-ci. Franco hein. Donc la méfiance, il y a du joueur. On entend tout à l'heure, on a entendu des tirs. Donc c'est qu'il y a des joueurs dans le secteur. Hein.
Ça c'est quoi? C'est un zombie ou c'est un joueur? Moi c'est un zombie. Eh putain, fais chier. Quelle merde, tiens. Je voulais l'avoir à la hache, je le défonce à coup de fusil. Ouais, c'est un zombie. Au moins, j'aurais dit à tout le monde que je suis ici. Hein. Il n'y a pas photo. C'est la merde, hein, ce truc-là. Je sais pas ce qui m'ont branlé. J'avais tout paramétré avec ma souris pour mettre debout, assis. Debout, assis. Y a pas mal de matériel là. Toujours observer hein, parce qu'on vient de tirer. Alarme cloque, je sais pas ce que c'est par contre. Là, il y a du fusil. On va mettre une lunette. Je sais pas pourquoi ça vous avez autant de merde avec le live. C'est bizarre, hein. Water bottle, tac. Pile de bois, je la prends. Matchbox, j'en ai une. Nickel. J'ai fait un. J'ai une bonne lunette. Une bonne lunette. On dirait une lunette qui me permet de viser un peu mieux. Justement, je sais pas, hein. Moi j'ai pas de lag. Et au niveau de l'envoi sur Steam, j'ai pas d'informations comme quoi je suis ralenti. Hein. Normalement, c'est censé être au taquet. Hein. Alors, oupoupoupoum, là aussi il y a du matos. Hein. Alors, on va acheter ça. Je vais prendre le Glock 17. Un 20, ouais, j'ai déjà. De Steam, je pense pas donc que ce soit à cause de Steam. Hein. Je pense que c'est moi, je pensais plus du côté de Twitch hein, qui a une merde, hein, malheureusement. Oui, je vais le dégager. Voilà. Pas beaucoup de munitions à. Là-bas, il y a du matériel.
conserve comme ça. Pas trop se mettre à l'extérieur, je préfère rester quand même plus à l'intérieur de la pièce. Puis regarder les extérieurs comme ça à la lunette. En tout cas, il y aurait eu des trucs sympas. Hein. J'aurais pu avoir, par exemple, avec le 22, j'aurais pu me fabriquer une arme qui m'aurait permis de tirer pas être énormément puissant, et qui m'aurait permis de faire une sorte de sniper. Hein. Les bing, on trouve encore des armes, des pansements, des munitions pour le pistolet. Pas d'eau là. Très très prudent. Hein. J'essaie d'être le plus prudent possible, hein, même si je suis un tueur. Hein. Parce que la différence, c'est que les autres joueurs, eux, quand ils verront, ils vont pas hésiter, ils vont m'éclater. Hein. J'aime pas trop électrique machin, on sait pas ce que c'est, je m'en fous. Bah, il est là, on va le laisser. On a vu des panneaux là. Si je pouvais trouver une carte, ça me serait vachement pratique. Hein. Fou 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 fou. Et merde avec le zoom. Hein. Voilà, ça marche au moins. Le Glock il marche. Hein. De la munition, hein, j'en ai à dégueuler. Bon, en fait, ça ressemble un peu à H1Z1, hein, sauf que bah, ça, c'est un mode. C'est un mode qui est complètement gratuit. Hein. Ah, donc là, on trouve il y a une carte déjà. On va prendre tout de suite. Et on trouve des munitions pour le fusil à pompe. Me sert pas à grand chose. Par contre, des mardages, j'en ai un. Les munitions de pompe, je vais les balancer. Hein. J'en ai pas d'utilité, moi, maintenant. Là, ça c'est un zombie. Oh, m'emmerde pas. Hein. Certes, je suis bruyant. Ouais, je suis en ligne, hein, bien sûr. Je suis pas en. Je suis pas en solo. Hein. Là, il y a d'autres joueurs qui peuvent à tout moment venir. Mais...
On est sur un serveur, on est à peu près une soixantaine. Mais la carte, c'est Altis, hein, donc il y a de la place. Alors, on voit des nouvelles armes que je connaissais pas du tout. Hein. Donc ça, le Lupra, c'est la première fois que je vois ça. La pickaxe aussi. Smith & Wesson, c'est quelque chose de connu. Une carabine à 10, 20. À mon avis, c'est en train de planter. Alors, Pierre Gousse, Chakela. Je sais pas si la logique c'est toujours la même. Que pendant qu'il y a l'engrenage. Ah oui, il est en ligne le jeu, ouais. Oui. Je suis en ligne, je suis en multi là. Il se joue uniquement en ligne hein, ce jeu. Hein. Merde, je suis bloqué par les trucs. Ah ouais, il y a d'autres joueurs, hein. Je suis pas tout seul hein, dans la session. Donc là, le problème, c'est que quand moi je tire, tous les autres joueurs l'entendent. Hein. Donc ils savent qu'il y a des gens qui tirent. Alors d'un côté, ça peut les rassurer, comme d'un côté, ça peut leur faire peur. Hein. Nickel, on a trouvé une boussole. Des trucs utiles, mais bon, j'ai pas de véhicule, j'ai rien. Télévision, crate. Ah ouais, en fait, en règle générale, hein, il vaut mieux éviter de tirer. Hein. C'est moi qui fais un peu n'importe quoi. Normalement, dans le jeu, là, il faut être plutôt discret. Hein. Donc là, un endroit où il risque d'y avoir du monde, c'est ici. Hein. Parce qu'ici, c'est un entrepôt. Et c'est là où il y a souvent des containers, où il peut y avoir des pièces pour réparer des véhicules, voire des véhicules même. Donc ça peut être une zone potentiellement dangereuse. Alors, on va y aller avec la carabine. De toute façon, il reste 6 minutes avant que le serveur redémarre. Puis bon, il faut pas oublier qu'on est quand même sur la carte de Altis. Hein. Altis, c'est relativement grand hein, comme carte. Et là, j'arrive. Il y a un conteneur à vue. Faut savoir hein, que quand on tire, ça s'entend très loin dans le jeu. Hein. Donc c'est pas, il faut vraiment être, dire quand on a 1 km, on entend des tirs. Alors on trouve plein de trucs, hein, notamment de l'acier renforcé. Hein. Donc moi pour l'instant j'en ai aucune utilité. Faut savoir qu'on peut se construire une maison là, dans le jeu là. On va se construire une maison, du moins prendre une cabane et la renforcer. Une sacrée baraque là-haut. Exactement. Hein. Moi, mon idée, ce serait de me trouver un bon fusil là et de faire du sniping. Par contre, pour faire du sniping, il faut aussi avoir
un télémètre qui est vachement pratique. On est en FRS, 4 minutes et un shutdown. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéresse. Alors la boussole de mémoire, c'est ça, plein nord. Voilà la carte. Alors, je joue la carte, je vais la passer en mode texture, je vais supprimer les textures. Voilà, donc moi je quitte Ferès et là je suis en train de regarder plein nord, donc je dois être par là. Et je suis en train de voir cet entrepôt, je présume. Donc on va s'avancer. C'est pas impossible, hein, comme tu dis, mini-missile. Tout en haut, là, c'est pas impossible qu'il y en ait un qui puisse camper, qui puisse être un sniper. Hein. Sauf que c'est très long. Hein. Parce que des points comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est pas tout le temps qu'il y a du passage. Hein. C'est pour ça que j'ai une façon de progresser qui est très particulière. Hein. Et qu'en fait, je mets toujours le plus à couvert possible, le moins visible. En vue directe, quoi. J'essaie toujours d'être un peu caché. Hein. Ok, là, il n'y a rien du tout. Là, les pièces, les voitures, elles sont défoncées. Celles-ci, on peut pas les remettre en route. En fait, hein, le but, hein, c'est pas forcément d'avoir le sniper. Hein. Il suffit d'arriver à monter par le côté qui l'observe pas. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand il a le viseur, bah, il fait pas un 360. Hein. Moi j'ai fait énormément de sniping dans le jeu. Et il faut à un moment donné, il faut choisir une directivité de tir. Hein. Voilà, là je me suis mis à plat ventre. Et il faut être après malin quand on se positionne. Hein. Donc s'il se positionne sur les hauteurs, c'est pas stratégique. Vaut mieux se positionner plus bas, par exemple ici dans des coins comme ça, dans des buissons. Mais il n'y a pas assez de densité, donc ça, voilà, on verrait quelqu'un. Là, voilà, là moi je vois, il y a rien. T'as vu un mec à la baraque, toi? Là-haut, là, tu parles? Moi, je vois pas. Je vois pas où t'as vu quelqu'un, moi je vois rien du tout, hein. Pourtant, j'y suis aux jumelles dessus, j'ai le plus gros zoom. Devant la porte. Ouais, moi je vois pas grand chose. Hein. T'as un compteur, hein, faut faire attention. Ce qu'il y a, il y a un compteur devant. Il y a un compteur électrique, hein, au niveau de la porte. Hein. Alors on va regarder un petit peu les alentours. De toute façon, tout le monde est en train de se déconnecter parce que le serveur va redémarrer. Donc moi je vais faire pareil parce que vaut mieux se déconnecter proprement du serveur avant qu'il redémarre. On va se déconnecter. Comme ça évite d'avoir de perdre des objets ou des trucs. Hein. C'est souvent un problème, hein. Vous voyez, hein, il n'y a plus grand monde qui est connecté sur le serveur, on était plus que 17. Souvent les gens attendent la dernière minute, hein, pour se déconnecter. On va mettre pause, disconnect. Comme ça, je vais aller voir en même temps ce qu'il en est pour l'histoire de mon problème de souris là. Pourquoi j'ai pas accès ma config de souris? On va attendre que le serveur reparte. Hein. Ah,
Ouais, j'ai compris. En fait, j'étais connecté justement sur un serveur Mercenary. Ouais, je vais regarder, hein. Bah, je rappelle, en tout cas, merci en tout cas pour Tarus. J'irai faire un tour sur le jeu. Je vais regarder de suite là, le mode de justement dont il me parle, le mode Exile Mode. Voir si je peux le télécharger en tout cas en attendant. Exil mode, Arma 3 Exil mode, ça y est, je le trouve, j'y suis dessus là. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Alors comment on fait pour faut créer un compte, j'imagine. Alors, tac. Je suis en train de créer en même temps un profil pour le mode Exil Mode parce qu'il faut un profil. Hein. C'est comme c'est exactement pareil que pour Breaking Point. Hein. Voilà, je suis enregistré. Alors, ça, on va le passer. Je vais regarder en même temps mes emails. Donc, ouais, bon, on va attendre que le serveur parte. Hein. Je sais plus combien, c'est toutes les 6 heures, je crois, qu'il y a un restart. Hein. Salut à toi, Chris. Je crois que c'est toutes les 6 heures qu'il y a un restart, hein, des serveurs. Donc souvent le restart est ça entraîne souvent beaucoup d'afflux, hein, de joueurs. Ok. Je vais me connecter. Tac. Alors comment on fait pour télécharger le mode? En effet, ça a l'air vachement bien foutu. Hein. Ça a l'air d'avoir pas mal de trucs. Développe. Ah oui, d'accord, ouais, je vois les constructions là. C'est très impressionnant. Alors je pense qu'il doit faire. Faudrait que j'arrive à trouver comment lancer le machin. Alors, fin de serveur, ok, c'est pas ça. Fake fac. On va voir comment lancer. Bon alors c'est pas tout là, c'est ils sont partis les serveurs là ou pas? Je suis en train de refresh ou aucun serveur. Pour l'instant il n'y a pas de serveur. Alors là je suis en train en même temps de faire une recherche dans parce que je me suis dit c'est peut-être dans le workshop tout simplement. Ça y est, les serveurs, je commence à les voir apparaître. Je suis en train de chercher en même temps dans le workshop de Arma 3. Alors, contenu, guide communauté. Workshop. Exil. Ouais. On va marquer mode. J'arrive pas à le trouver.
Summer 2015, ouais. Comment on fait pour... J'arrive pas à trouver comment télécharger le client. Avant de payer des jeux, putain. J'ai déjà pas assez pour m'acheter les jeux puis acheter le matos pour être top au niveau du live. Alors tac 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 tac. Ouais ben là j'arrive pas à trouver. En fait, je suis en train de galérer pour trouver comment on fait pour télécharger le truc quoi. C'est pas très clair quoi. Bon, pas de truc. Vraiment l'endroit où il faut aller pour récupérer le truc. Bon, ben au moins les serveurs sont en train de redémarrer, pas tous, je refresh encore. Qu'elle est en train de venir. Oui, je le testerai. Le problème, c'est qu'avant de le tester, il faut que, bah, que je l'installe. Ensuite, il faut que je le faut que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne. C'est bon, je vais me relancer sur le serveur. Va falloir que je teste pas mal de choses avant de. Bah avant quand je vois, je peux pas partir comme ça. Il faut que je l'installe. Comme ça, je pourrais un peu le paramétrer pour qu'il. Bah, faut tout paramétrer pour qu'il puisse être streamé hein, le jeu. Et c'est particulier, il faut faire plusieurs réglages. Et comme ça ensuite ben je testerai hein. Je vais regarder un peu comment il est le jeu. C'est parti, moi je suis en train en même temps de lancer le serveur là. Ah d'accord, il est dispo que le 26. Ouais ben, je comprends pas puisqu'à première vue il y en a qui disaient que c'était ok, donc je comprends. Mais en tout cas je suis inscrit dessus hein. Je verrai ce que ça donne. Donc je suis en train de me reconnecter sur le serveur Breaking Point. Je suis en train de me reconnecter et cette fois je me suis pas trompé, je suis parti sur un serveur dit vétéran, donc où il y a la vue extérieure. Là, ça y est, ma souris elle a été détectée. Enfin du moins le programme il a l'air d'avoir fonctionné. Normalement je vais avoir mes. Je peux utiliser mes boutons raccourcis pour faciliter le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai cette erreur. Oui, on a radio pour les masses. Ça, donc là, on Oui, on entend. a pas l'air, parce que On pas où je suis basé. Donc là, on entend le retour radio des gens qui sont en fait dans le hall d'accueil. Hein, donc je coupe. C'est des mecs qui parlent en russe. Hein, je comprends pas pourquoi ils viennent sur des serveurs EU. Hein. Donc là, je coupe le son. C'est en cours de connexion. Je coupe volontairement le retour son pour pas que vous soyez ennuyé par ce qu'il peut se dire. C'est assez long là. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, les connexions, reconnexions, c'est des étapes assez lourdes pour le serveur parce que tout le monde cherche à se reconnecter. Souvent les gens cherchent à se reconnecter pour rusher des zones importantes comme des grosses bases pour espérer de récupérer très rapidement du matériel de qualité. Donc voilà. Hein. Non mais il n'y a pas de souci, Actarus. Hein. Bah de toute façon, moi je te dis, le jeu, je le connais absolument pas. Donc il faudra que je teste un peu tout ça, les commandes et tout. Puis ensuite, je ferai une petite présentation. Hein. Voilà, je suis en attente de. Comme on voit, hein, c'est là. Mon perso va partir. Je remets le son. Et voilà. Donc on voit
que ça a un peu évolué. Essayez, voilà, ça marche. Donc à genoux, hop, hop. Là, on a plavant, intérieur. Je suis en train d'essayer de retrouver mes raccourcis. Hein. Quel. Alors voilà, on va regarder un petit peu ce qui est autour. Ok, pas de souci, hein, j'y penserai. Hein. Donc vous voyez là, c'est un peu plus sympa à regarder hein, en vue extérieure hein, pour. Aller me cacher. Aller voir dans l'usine là. Ah, pour jouer Breaking Point, il faut télécharger le launcher. Hein. Donc maintenant, le launcher, il est disponible directement dans le workshop. Hein. Ensuite, quand tu as le vol, il va télécharger. C'est quand même assez volumineux. Hein. Il y a plusieurs gigas à télécharger, hein, mais une fois que tu as téléchargé toutes les armes, toute la logique du mode et tout, tu rejoins l'un des serveurs. Il y a plusieurs cartes qui sont disponibles, donc Altis. Il y a plusieurs autres cartes où tu peux évoluer. Donc moi je suis sur Altis. Hein. Et après tu choisis ton, tout simplement tu choisis ton camp. Ta faction, hein, enfin ton personnage, quelle faction il sera, quelle faction il va être, et tu te lances ensuite. Hein. Donc moi, toi, bah, j'ai pris d'habitude, moi je joue toujours nomade, et puis je me suis dit cette fois on va tester un petit peu le Hunter, parce que le problème c'est que souvent quand tu, c'est souvent ça. Hein, c'est que tu hésites à tirer parce que tu perds des points hein, quand tu tues un allié. Donc j'hésite toujours. Hein. Le problème, c'est que le fait d'hésiter, l'autre il hésite pas hein, si c'est un hunter. Salut à toi, Woz Mafia. Soit le blueprint. Il y a énormément de waterproof, des machins. Là, on a un carton de matériaux de véhicule. Ouh. Il y a un putain de pistolet, hein. Un Chiapa. C'est un des plus puissants. Mais bon, je vais conserver quand même lui là parce que j'ai quand même pas mal de chargeurs. Bien, là on est bien à Ferès. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je pensais qu'il y avait une voiture, mais pas du tout. Hein. En fait, c'est juste un trou dans la végétation.
Le mode Breaking Point, en fait, hein, c'est un mode que j'avais déjà joué assez longtemps. C'est ni plus ni moins un DayZ, hein, tout simplement. C'est un DayZ. C'est le même principe. Ça utilise le moteur d'Arma 3. Et ton but, ben, tout simplement, c'est de survivre contre les zombies, mais aussi contre contre les joueurs, quoi. Donc actuellement, j'incarne un Hunter, hein, qui est en gros la classe la plus hostile du serveur, hein. J'ai aucun ami, je tue tout le monde. Donc si je trouve quelqu'un, je l'abats comme un chien. Il y a d'autres classes qui, eux, me chassent. Il y a des classes qui s'entraident, comme le Ranger, le Nomade, le Survivaliste, qui, eux, s'entraident. On a ensuite les... Moi j'ai un Hunter, hein, donc le Hunter lui il fait aucun cadeau, il attaque tout le monde. Même le Hunter entre eux se tue. Et on a les derniers, les. J'ai bouffé le nom, les Hunters et les. Ensuite il y a les troisièmes, hein, en fait les troisièmes. L'autre type de joueurs, les Hunters et les. Ah, ça me reviendra. Hein. Ah, ça j'ai bouffé le nom. Hein. C'est dingue. Enfin, c'est une autre classe, hein, une autre classe aussi qui est hostile pour tous les autres, sauf que eux entre eux ils peuvent s'entraider. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que hein, j'ai un peu oublié les noms des factions. Hein. J'aurais bien voulu jouer Undead, hein. Ça doit être vraiment marrant. Alors l'observation, hein, c'est le maître mot, hein, parce que là on est sur un serveur qui peut très rapidement se remplir. Hein. D'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, les gens se connectent. Hein. Pour ça qu'il faut pas se précipiter. Hein. On va rester comme ça, là, on va rester un peu embusqué pendant que j'observe la carte. Donc moi je suis à Ferrest là. Je suis par ici. Alors de mémoire, hein, là c'est là que je dois regarder, donc il faut vraiment qu'un mec parte par là. Juste partir comme ça. Je sais qu'il y a des bases plus par le nord. Hein. Ah, tiens, maintenant il y a des logos qui apparaissent sur la carte. Ranger, machin, ça doit être les points de ralliement. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, quoi qu'il en soit, on va partir en direction de Panagia. On va partir dans cette direction, sur cette route, au nord-ouest. Ouais. Ouais, on part comme ça. Mettre en vue troisième personne pour qu'on puisse admirer un peu mieux le graphisme. C'est pas très prudent de se déplacer comme ça à découvert, mais bon. Donc là, de toute façon, j'ai un turban autour de la tête, hein, donc ça, c'est. On dirait que c'est le C'est la tenue officielle des hunters, hein. C'est-à-dire que suivant comment sont habillés les autres joueurs, ceux-là les classent dans une catégorie. Hein. Donc moi j'ai un turban autour de la tête, c'est que je suis hunter. Hein. Ceux qui ont une casquette, ce sont les rangers, par exemple. En règle générale, tous les mecs avec des casquettes sont en fait des gens qui sont plutôt pas. Enfin, j'allais dire pacifiste. Disons, ce sont les gentils. Hein. Ceux qui ont les hunters, hein, c'est-à-dire le turban, et ben eux, ils sont hostiles. Hein. Et les autres, ils ont un chapeau, hein, je crois. Un chapeau de cowboy.
Alors, oui, hein. Le fait d'avancer dans la zone un peu plus accidentée, là, pleine de broussailles, de machins, je suis quand même moins visible qu'en étant en plein milieu de la plaine. Hein. C'est pour ça qu'il faut avancer aussi un peu de façon décousue. Hein. Pas forcément garder une direction droite, une direction rectiligne. Hein. Faut savoir après un peu tourner. Contourner les grandes plaines. Les lignes électriques qu'on voit d'ailleurs qui sont représentées sur la carte peuvent être un moyen très très utile pour se repérer. Hein. Ouais, je vois du métal, je vais aller voir ce que c'est ça. Très, très prudent, hein. Faut pas non plus courir à n'importe comment. Les distances d'engagement sont très importantes dans le jeu. Je rappelle que c'est le moteur d'Arma 3. Hein. On joue sur Arma 3, hein, clairement. Donc là, on a une distance de jeu qui est importante. On peut s'engager, on engage les ennemis à 600 mètres. Hein. Faut-il avoir l'arme qui permette de le faire? Moi avec ma lunette je peux engager, j'ai une visée qui permet d'aller à 500 mètres. Hein. Et la portée de... Alors chaque munition a aussi une portée. Hein. Donc moi là je suis à du 5,66. Hein. Qui est une munition qui est puissante. Hein. Pour du combat quand même un peu assez rapproché. Hein. Alors là, par contre, ça c'est très. Donc là, quand il souffle, c'est qu'il a soif. Hein. Regardez les jumelles. Ça, c'est par contre quelque chose qui est très intéressant, c'est des baraquements. Là, il y a du matériel militaire dedans. Donc, je vais clairement y aller. J'essaie de voir où je me trouve là. Ce serait pas là que je suis en train de regarder. Alors on va se faire une pointe au pot là. Là, je suis en train de regarder. Il y a une maison sud-est. Et là, en fait, j'ai des objectifs pratiquement plein sud. Voilà. Et plein sud, j'ai un campement en hauteur. Donc vous voyez, je dois être par ici. Je dois être dans cet alignement là en fait. Je dois être en train de voir ce bâtiment là. J'ai vraiment dû trop en fait tirer comme ça, donc je dois être dans cet alignement là. Donc ça aussi là-haut c'est très intéressant. Bah, comme tu dis, les zombies sont très très rares. Ah ouais, avant il y avait beaucoup. En fait, les zombies sont principalement dans les villages et la nuit. T'as très peu de zombies comme ça en plein milieu de la nature, hein. C'est très rare. Les zombies sont beaucoup plus présents dans les villes, les villages, et c'est surtout la nuit qui pop. Hein. Dans la journée, il y en a beaucoup moins. Donc clairement, si tu as envie d'être en sécurité, les nuits, il vaut mieux être dans la forêt, dans le noir, éloigné des villes et tout. Parce que la nuit ça pop, il y a de la lumière, énormément de lumière, donc les joueurs peuvent te repérer si tu te déplaces. Donc ça doit être la piste, hein, ça doit être l'aéroport. Aussi, hein, j'ai des souvenirs de. J'ai des souvenirs qu'on avait attaqué cette position et qu'on s'était fait bien allumer par des touches du joueur. Ici, on risque de trouver du matériel très intéressant. Alors, point important, vous voyez, il n'y a pas de porte ouverte, donc ça veut dire que
Il n'y a pas de joueurs qui manifestement sont venus pour le moment. Ce que je fais, moi derrière, je ferme la porte. Moi, je vais commencer à fouiller un peu les pièces. Hein. Il y a rien, mais bon. Tout dépend comment le spawn se génère. Ouvrir les dernières pièces ici au rez-de-chaussée. Oh bah oui, bah de toute façon maintenant le mec il a dû déconnecter, il s'est peut-être connecté. Très honnêtement, si le mec il est là-bas, il va avoir très peu de passages parce que là c'est une position qui est très excentrée, hein, qui est en bordure de carte. Hein. Moi je vois où elle est, j'ai regardé sur la carte. Il y a des points de sniper qui sont beaucoup plus intéressants. Faut se mettre sur des points de passage hein, qui font des ralliements des villes et des. Entre des villes ou des endroits qui sont importants pour aller chercher du matériel, comme les entrepôts, tout ça. Là, moi, je suis dans une zone potentiellement risquée, hein, clairement. On va ressortir par l'autre côté plutôt. Là, je fais très attention et je regarde un peu toutes les ouvertures. Il n'y a personne dedans. Par contre, il y a du zombie. Putain, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont chiants avec ces. Ça, c'est des spammers là. Ils ont créé des comptes à l'infini sur Twitch et c'est une merde. Mais ils sont en train de polluer les streams là. Je pense que c'est sur tout Twitch que c'est. Sur tout Twitch, c'est la même merde. Ouais, non, mais des comptes, ils en ont 40 000. On entend courir là. Ça, c'est du zombie. Hein. Oh, sur le toit, c'est pas très stratégique. Hein. C'est le meilleur moyen pour se faire repérer très loin et de se faire tirer dessus. Et puis, on peut pas aller sur le toit ici. Hein. Mais viens. Faut pas hésiter à taper même s'il est loin. Ils ont corrigé parce qu'avant les zombies arrivaient à. C'est très intéressant par contre. Ça c'est une caisse à armes. On risque de trouver du matériel un peu intéressant. Donc on a une submachine gun, un MP5. Bon, je vais pas le prendre. Par contre ça on prend. Ça c'est des chargeurs pour le MP5, ça c'est pour le Glock, je prends aussi. Oui, hein. Un old M4, super Benelis. Ça c'est du fusil à pompe, pas trop d'intérêt. Une caisse médicale, donc ça aussi quelque chose de très intéressant. Là c'est des bandages de haute qualité. On prend antiviral, on prend. C'est quand même des stuffs qui peuvent être très utiles. Ah mais le problème c'est que pour faire du sniping, il faut un fusil sniper hein, et un télémètre. Hein. Chose que je n'ai pas. Hein. Moi avec ma lunette que j'ai, hein, je peux tirer. C'est pas une arme pour faire du sniping. Donc le mec, si je le touche, il sera pas mort au premier coup. Il faut faire que je tire plusieurs fois et le mec, la première chose qu'il va faire, c'est va se planquer. Pour ça qu'il faut avoir une arme pour faire du sniping, qui a une munition forte et surtout avoir une lunette conséquente aussi, qui permet d'avoir un ajustement, une visée très précise et où on va pouvoir tirer d'assez loin. Pas mon cas.
Moi, là, j'ai une arme de combat à corps à corps. Hein. Pas du tout une arme de sniper. Hein. Le truc avec quelqu'un. En fait, c'est un bug lié aux ouvertures de porte. On va pas rester dans le coin, on va s'éloigner. On recule. Ah. Bouge plus. J'ai cru que j'avais vu quelque chose. En fait, c'est juste l'ombre de la fenêtre. Ah oui, un fusil sniper 50, ça déchire. Là, l'important dans le jeu, c'est pas surtout. Faut se dire que tout se gère, c'est visuellement. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas de. Le joueur, il n'y a pas un gros vide. Il n'y a pas un curseur qui va s'allumer, qui va clignoter, qui me dit joueur là. Le joueur, il faut que je le voie. Si je le vois pas, c'est un zombie, on va s'éloigner. Si je le vois pas, il peut être à 20 mètres devant moi. S'il est bien caché, eh ben, il s'en tire. Hein. C'est pour ça qu'il faut impérativement jouer avec la végétation, se faire le plus discret. C'est pour ça que moi j'avance énormément en position à couvert, hein, pas à genoux. Voyez là-bas, on a la base. Donc là-bas, par contre, il est évident qu'il va y avoir du danger, si possible, des joueurs. Ça, c'est quasiment dès que les serveurs redémarrent. En général, hein, tout le monde rush en direction de base pour retrouver du matériel. Ça que je fais un petit tour là d'horizon. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Très honnêtement, je vous garantis que c'est pas la meilleure des positions de se mettre dans ça pour quelqu'un qui voudrait rester dans la base et attendre des joueurs. Celui qui se cache là-dedans, c'est très difficile à tirer. Il peut pas se mettre à plat ventre, il est obligé de rester. Ouais, c'est ce que je compte faire. Hein. Je vais y aller. Hein. Se mettre à plat ventre, c'est très risqué. Là, il y a moyen de tirer en se mettant là, mais l'angle de tir, il est très petit. Donc c'est pas évident du tout. Hein. De sniper depuis cet endroit. Donc on va y aller faire un tour. Donc on va progresser le plus possible, le plus à couvert possible. Je cours de branche en branche, de branche en branche. Là, je cours derrière dans l'alignement de l'arbre. Ah, vous voyez, l'arbre me cache totalement de la base. C'est pour ça que je cours dans l'alignement de l'arbre. Ah, il y a plein de techniques hein, comme ça. Là, je cours, je suis caché par l'arbre. Ah, c'est sûr que sur les côtés, je suis à découvert complet. Hein, mais. C'est voilà, hein, c'est des risques. Hein. Ah, donc là, voilà, là, j'ai fait une très bonne avancée sur le. Sur le truc, on va s'arrêter, on va checker les environs. Parce que voilà, peut-être que d'autres joueurs qui sont moins équipés, qui peuvent pas m'engager de très près, eux me suivent peut-être de plus près.
Ouais, je reviens, c'est là où j'étais. Hein. Mais à l'existence, hein, quand même, c'est impressionnant. On va déborder un petit peu. Là, je suis beaucoup plus proche, hein, je vais essayer de monter par là. Hein. On est complètement à découvert. Et en plus, il y a une baraque. Hop, on se remet à plat, on se remet à cacher derrière les buissons. Ça permet de temporiser, de voir si quelqu'un m'observe. Ah oui, le but, c'est d'atteindre la végétation là. L'avantage de s'arrêter de courir aussi, ça permet d'écouter, parce qu'on les entend les autres. Ah, il m'a semblé voir un mouvement. Oh, je bouge pas du tout. Il semblait voir un déplacement là, ici. Très concentré, chercher le moindre. Ouais. Ouais. C'est moi peut-être qui ai plané, hein. La ventre, le mieux c'est vraiment de cacher au mieux. Hein. J'écoute hein, en même temps, mais sur accroupi. Faut faire très très attention. Je vais le faire, je vais repartir en direction de l'objectif là. Faut se dire que moi je vise peut-être le camp, d'autres visent peut-être le village. Voilà, je commence à arriver sur une zone qui est risquée. Parce que là je suis en hauteur. Et plus
plus on est sur la ligne de crête, plus on fait une cible. Partir en direction du buisson. Là. Voilà, oui, je commence à avoir la cible que je vise. Je swap l'avant derrière. Voilà comment c'est comme ça qu'il faut sniper. Hein, quand on... Donc, vous voyez, l'avantage c'est que là j'ai pu me positionner à hauteur de. À pratiquement à la même hauteur que le bâtiment. Et j'ai déjà une observation un peu plus claire, enfin claire façon de parler. C'est qu'il faut qu'en fait que j'avance en fait mon personnage pour sortir du buisson en fait. Voilà, comme ça j'aurai une vue nette. Absolument, on voit absolument rien pour le moment. Hein. Voilà. Encore continuer un petit peu comme ça. On va faire une descente par ici. Hein. Une dernière observation comme ça. Et ma foi, on va plus trop attendre. Maintenant, on va y aller. Je vais descendre à travers les arbres et remonter sur l'objectif. En espérant qu'il y ait ce que je cherche. Un fusil de sniper. Un télémètre éventuellement. Ça charge là. Jamais bon signe quand ça charge. Bon, une façon que tout le monde utilise. Hein. Les gens, ils mettent... Tout le monde se met à la troisième personne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ça, c'est clairement de la triche, hein, mais tout le monde le fait. Hein. Donc moi je le fais aussi. Hein. Je regarde par où je vais rentrer là. On va pas s'emmerder. Déjà le point positif c'est que tout a l'air fermé. Quand tout est fermé, c'est que ça, en règle générale, ça n'a pas été exploré. On va aller dans celui-ci, là souvent c'est là où il y a les trucs médicaux. Donc là déjà il y a une caisse d'armes. C'est énorme ça. AR-15. M4 pour lui. On va voir s'il n'y a pas mieux hein. Moyen d'avoir beaucoup mieux. Hein. AK-47. Là, j'ai déjà trouvé un nouveau chargeur pour mon type d'arme. Activity, je sais pas si c'est pas le plus gros l'activity. Hein. Franchement, j'ai. Ça fait tellement longtemps. Hein. Je vais laisser ouvert. Hein. Disons qu'en laissant ouvert, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé. Ou il y a quelqu'un dans les parages. Donc indirectement, ça peut être un message pour dire prudence, il y a quelqu'un. Allez voir ailleurs plutôt.
là c'est une montée, c'est très risqué hein, de monter. Hein. Voilà, comme je vous disais, il n'y a pas moyen de tirer en position allongée, donc oui. Un peu la merde. Et là ça spawn. Hein. Là, je vais me tirer par là-bas. Et hein, le spawn comme il est généré. Bon, ben, y a pas eu des loot extraordinaires. Je conserve ma M4. Il y a d'autres bâtiments là. On va aller voir ça. Oui, c'est normal. À la base, elle est neuve parce qu'elle a été. Elle n'a pas été visitée depuis le restart. Hein. Ça, par contre, c'est pas normal. Je sais pas si vous avez entendu. Ça, par contre, c'est d'autres choses. Ça, c'est bon. M4 assaut. Il a une baïonnette intégrée. Alors, où est-ce qu'il l'a mis mon truc là? Ah, j'ai voulu poser ma lunette, il me l'a balancé où là? Voilà. Ah, maintenant j'ai une baïonnette sur le fusil. Ça, c'est une arbalète. Pour tirer en silence, mais c'est pas terrible, terrible. Il faut des munitions. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a. Alors. Alors, ça y est, je suis perdu là. Je suis en train de chercher comment. Comment je change au niveau de l'arme et. Les trucs là. Très prudent. Parce que j'ai entendu courir. Hein. Salut à toi, Master Supporter. C'est une arme principale, hein, l'arbalète. Donc l'arbalète, si je la prends, elle remplace. C'est une arme longue en fait, hein, donc elle remplacerait mon M4. Donc là, prendre une arbalète avec seulement 3 carreaux d'arbalète. Je préfère de loin quand même avoir mon M4 maintenant avec la baïonnette, ma lunette et puis tous mes chargeurs. Hein. Je préfère de loin être équipé comme ça. On va faire une remontée plein nord. Hein. Je vais m'éloigner dans cette direction, puis faire un crochet après. Une petite pause ici. Hein. Je sais pas comment je fais pour activer le machin.
que ma boussole, c'est bien ça. Le plein nord, il est là-bas. Donc je vais m'excentrer. Ouais, ça aurait pu être pas mal, ouais. Et encore, j'ai pas mal de munitions aussi pour le pistolet. Le problème, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir ravitailler en carreau et c'est assez rare. C'est pas évident. Ça, c'est vraiment une arme très efficace pour tuer à distance des joueurs sans faire un seul bruit. C'est vraiment quelque chose d'assez récent dans le jeu. Je sais pas s'il y a beaucoup tant de gens qui l'utilisent. Faut à moins d'en récupérer énormément, des carreaux d'arbalète. Je pense que pour commencer, il faut avoir au moins une dizaine de carreaux, hein. Là, 3, c'est pas suffisant. Là, en termes de munitions, avec tout ce que j'ai sur moi, là, avec le British en plus, j'ai un sac à dos où j'ai quand même pas mal de munitions sur moi. Et là, je peux tirer quand même pas mal, hein. Je peux balancer déjà quelques chargeurs pour me défendre, hein. Que pour certains, des fois, c'est faut comment dire, hein, faut économiser, hein. Moi, je peux me permettre d'en balancer quand même pas mal des tirs, hein. Donc, on reconnaît l'endroit où j'ai progressé, hein. Quoi, on va dire que mon objectif, c'est là-bas, hein. Regarde, qu'est-ce que je fais? C'est que je me trompe. Ouais, peut-être que les carreaux sont récupérables. Jamais tiré, je dirais jamais testé. Le problème, c'est qu'il faut aller les chercher après. Alors, si tu tires à courte portée, c'est bon, mais si tu fais des tirs à longue portée, donc après, je sais pas du tout la distance à quelle distance on peut tirer avec ces trucs. Mais j'imagine que bon, à mon avis, là actuellement je dois avoir plus de portée avec la M4 avec la lunette qu'avec l'arbalète. Même si tu mets la lunette sur une. Même si tu mets une lunette, hein, sur l'arbalète, hein, je pense que ça doit être possible de mettre une lunette. Bon bah on avance, hein. On voit apparaître la ligne électrique. On va la repérer sur la carte. Alors, par exemple, on arrive dans une zone qui est très sympa. Que je trouve qui est un peu plus adaptée pour du sniping. On est en hauteur, en plein milieu de nulle part. Sur un point de passage ou derrière une base. Et on a un champ de vue quand même qui est plutôt sympa. Et on se met. On va se mettre à couvert, par exemple ici, en position intermédiaire. Voilà, vous voyez, hein, moi je suis en position intermédiaire. Voilà, là, le mec, il faut qu'il me repère parmi les branches. Donc vous voyez, hein, quand on est dans des branchages, eh ben, il faut repérer, hein, le gars qui dépasse. Sauf que regardez-moi la vue que j'ai. Donc là, à noter que j'ai pas une lunette pour faire du sniping. Hein. Regardez tout ce que j'observe. Je suis sur un versant. Mais bon, j'ai pas l'arme adaptée, mais là j'aurai un fusil sniper, j'aurai un zoom beaucoup plus conséquent. Et je pourrais me permettre d'engager des cibles à 1 km. Sauf que bah là, je peux engager jusqu'à 500 mètres. Et il faudra sûrement s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir quelqu'un. Donc si lui, entre-temps, il se camoufle, c'est cuit. C'est cuit, cuit, cuit. J'observe, hein, pour voir ce qu'il y a, si les portes sont fermées surtout, hein. Donc là, on a la ligne électrique qui doit amener la ville au nord. On va regarder tout de suite notre carte. Donc cette ligne électrique, elle est là. Donc moi, je pense que je dois être dans ce secteur-là. Je présume, hein, je pense que je dois être un peu dans ce coin-là. Puis je dois observer cette zone. Hein. Soit par là, bah ouais, je suis par là. Hein. Puisqu'il y a la maison là, donc je suis ici. Hein. Après, c'est une habitude, hein, à force, hein, de. C'est comme ça qu'après. Hein. Donc normalement, si on regarde bien,
Les maisons, on devrait les voir, pas non, pas plein nord, mais on devrait les observer. Voilà. Ouais, il remet la lunette. Voilà, c'est ça. Les maisons, vous voyez, elles sont pas plein nord. La première, elle est un peu sur les côtés. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est là-bas. Où j'aille là-bas, c'est là où il y a la nouvelle ville. Donc je pense pas que j'ai la montre. Non, j'ai pas la montre. Ça aurait pu me permettre de savoir à quelle heure ça allait être. On a l'heure ici sur la carte de son. Panagia, c'est là où je voudrais aller. Ensuite, on va pouvoir remonter sur des villes plus sympas. C'est parti, hein. On va se mettre en position à genoux. Et on va progresser sur les lignes de végétation, là. Bien sûr qu'il y a des véhicules, Master Supporter. Bien sûr, tu as des véhicules, hein. Donc, c'est des véhicules qu'il faut que tu répares, hein. Donc, c'est des véhicules d'Arma 3, hein, pour la plupart. Donc, tu as des véhicules qui sont totalement détruits, qui sont inutilisables. Et tu as des véhicules qui sont endommagés. Il est possible de récupérer. Attention, un hélicoptère là. Donc, ouais, ça c'est un véhicule. En plus, un hélicoptère de combat qui a été réparé et qui est utilisé par un joueur sur le serveur. Donc, là, autant vous dire que c'est pas tous les jours qu'on voit un hélicoptère comme ça. C'est quand même un hélicoptère coûteux. Donc, on voit le vol comme il est. Hein. Il part sur Pyrgos, hein, comme ça. Donc, je sais pas d'où il a décollé, mais il part sur Pyrgos. Hein. Donc ces véhicules, il hein, faut les réparer, il faut les recharger en essence. C'est toute une opération. Hein. On avait réussi à réparer un hélicoptère et à décoller alors qu'on se faisait tirer dessus. Ah, le souci, c'est que pour déjà trouver un véhicule, il faut trouver le véhicule, le réparer, c'est-à-dire réparer les quatre pneus, réparer le moteur, réparer le réservoir. Ensuite, trouver des jerrycans, faire le plein d'essence. Ça demande énormément, énormément d'aller venu. Et il faut voir que si d'autres joueurs bah, sont aussi sur le coup et qui trouvent le véhicule, bah, eux aussi vont peut-être essayer de réparer le véhicule et de chercher à le récupérer. Donc après, c'est déjà, il faut trouver un véhicule qu'on puisse réparer, ce qui n'est pas évident. Et faut-il ensuite trouver les installations et les casses, c'est-à-dire les gros containers, pour pouvoir récupérer des ressources de façon à réparer les véhicules. C'est pas évident, évident. Et ça demande énormément de déplacement. Faut savoir que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de joueurs qui jouent sur des cartes plus petites comme Stratis, voire d'autres cartes. Hein, parce que Altis est très très grand. C'est une carte qui est très grande. Et ça demande. Bah, on marche énormément. C'est énorme, énorme, énorme en quantité de marche. C'est. Donc là, bah, là, je peux. Voilà, hein, pour vous donner un ordre d'idée, il y a très peu de. Enfin, il y a très peu de gens qui sont tout le temps. Il y a très peu de gens qui sont véhiculés. Hein. La plupart du temps, la majorité du joueur se déplace à pied. Ouais, le problème, c'est qu'un véhicule, bah, c'est bruyant. Tu l'entends. Le véhicule, il est bruyant. Il se repère. C'est très visible sur la carte, tu peux pas aller n'importe où, il faut faire le plein. Un véhicule, ben, il faut s'arrêter dans une station-service. Donc une station-service, ben, c'est un endroit où les gens ils peuvent se planquer pour t'attendre en embuscade, de façon à voler le véhicule. Parce qu'une fois que le véhicule est fonctionnel, hein, il suffit de tuer les occupants et de récupérer le véhicule. Hein. C'est pour ça que c'est quelque chose de sensible. Hein. De toute façon, là je suis en train d'observer, mais je suis pas en position très adaptée. Allez là. Il faut savoir que toutes les maisons on peut les fermer, ensuite on peut se les approprier et les barricader. C'est-à-dire qu'il faut installer, il faut construire avec des recettes des caisses, Alors, par exemple, on a des puns. Par exemple, j'ai le Haven Gun Cabinet. Donc c'est un matériau, on voit dessus, requiert, j'ai besoin du marteau. 4 boîtes de clous, 3 de steel et de la fibre glace.
Avec tout, quand j'aurai tous ces éléments sur moi, je serai en, étant donné que j'ai le plan, je serai en mesure de pouvoir construire une armoire à armes, un casier à armes pour ranger des armes. Pareil pour faire une serrure, par exemple la porte, je pourrais la verrouiller avec une serrure. Donc les gens ne peuvent plus rentrer dans une maison que je m'approprie. Le problème, c'est que bah, c'est qu'ils ont d'autres moyens pour éventuellement essayer de rentrer. Donc là, une machine à laver. Exactement, hein. Une fois que le véhicule t'appartient, c'est pas une propriété, c'est un véhicule qui est. Tout le monde peut le prendre. Hein. Le seul moyen de le protéger, c'est de éventuellement de le garer dans un garage qui ferme. Mais bon, bien sûr, le garage qui ferme, bah, les mecs ils vont tout faire pour le péter, hein, pour rentrer, pour le piquer. Hein. Je récupère ce que j'avais pas, la montre. Alors la montre, j'ai oublié ce que c'était, mais bon, de toute façon, je sais l'heure qu'il est. Donc en règle générale, les véhicules, ils sont soit cachés en plein milieu de la nature, dans des broussailles, soit ils sont garés dans des hangars, enfin dans des garages. Et comme ça, bah, les gens, ils peuvent pas rentrer dans le hangar, mais bon, c'est un risque parce qu'un hangar qui est isolé, c'est le meilleur moyen bah, que bah, des gens fassent un. Voilà, hein, moi je sais qu'il y a un véhicule qui dort dans un endroit. Bah, je m'organise pour dire bah on planque et puis on attend qu'il sorte. Et à un moment donné, le problème c'est que bah il va falloir, si le joueur il est tout seul, bah, il va falloir qu'il déverrouille les portes, qu'il ouvre les portes, qu'il monte dans le véhicule, qu'il sorte le véhicule, qu'il referme les portes. Et bah pendant ce temps-là, il y a moyen de le tuer plusieurs fois. Hein. L'idéal c'est de le tuer à l'ouverture des portes. Hein. C'est-à-dire que le véhicule, il sort pas le véhicule. Il déverrouille sa maison, ça permet de rentrer dans la maison. Voler le véhicule et en plus de piller la maison. C'est pour ça que c'est très risqué d'avoir des véhicules dans des bâtiments. Après, garer des véhicules cachés dans la végétation, c'est un risque parce que bah, moi j'ai trouvé des véhicules comme ça en me déplaçant. Donc on marchait, puis en marchant dans les broussailles, bah, bing, je tombe sur un quad qui est caché, je tombe sur une Jeep qui est cachée. Après, souvent, ce que font les joueurs pour sécuriser au maximum le véhicule, ils démontent des pièces du véhicule. C'est-à-dire, ils cachent leur Jeep et ils démontent les pneus et puis ils se déconnectent avec les pneus dans leur sac à dos. Oui, ils font une caisse. Il fait une caisse parce chaque faction peut créer des caisses dans la nature. Donc, par exemple, bah, l'idée, c'est par exemple de créer une caisse là. Par exemple, moi, je crée une caisse, par exemple, que je cache là entre les arbres. De façon à ce que ce soit le plus discret possible. Et puis bah, ensuite je démonte les pièces nécessaires au fonctionnement du véhicule pour les cacher dans la caisse qui est à proximité. C'est pour ça que bah, quand on trouve une carcasse de véhicule cachée dans la végétation, c'est pas un endroit de spawn habituel. Donc c'est des gens qui ont démonté volontairement le véhicule dans cet endroit-là pour le cacher et puis pour le sécuriser. Et le but, ben après, c'est de trouver tout simplement les caisses qui sont aux alentours. Donc là, on est en approche du village. Ça fait longtemps, hein, que j'ai pas joué au jeu. C'est des caisses en bois. Hein. C'est des caisses en bois que toutes les factions peuvent fabriquer. Il faut des clous, il faut des planches. Et avec tout ça, ça permet de fabriquer des caisses. Mais il faut avoir les plans, des crates. En règle générale, hein, quand on est tout seul, c'est très très difficile. C'est très difficile d'avoir une logistique, d'avoir des véhicules en étant tout seul. Ça demande quand même pas mal de temps et de précautions. Non, aucun tank n'est réparable. Les seuls véhicules, c'est les hélicoptères, des bateaux, des quads et puis des camions. Il y a aucun char d'assaut qu'on peut réparer. Le seul véhicule qui est le plus blindé, c'est une Jeep blindée en fait. C'est une Jeep renforcée. C'est le seul véhicule le plus
le plus solide qu'on peut faire. Observer un petit peu. Ah, mais il faut la trouver. Avant de casser la caisse, il faut la trouver. Et il y a moyen de cacher des. Voilà, on peut cacher n'importe où. Hein. C'est immense. Hein. Ah. Donc là, c'est rien. Fausse alerte, c'est une bestiole. Hein. Moi, j'ai cru que c'était un déplacement de joueur. Donc là, on a un entrepôt. Hein. Pas si vous voyez. Droit devant nous, ça c'est un entrepôt. Hein. Donc c'est là où potentiellement les joueurs peuvent mettre une serrure et stocker des véhicules. Donc là, on va regarder la ligne électrique. 3, 4 moulins. Un or. Voilà, on va regarder. Normalement, on est par ici. Voilà. C'est drôle, je voyais beaucoup plus haut ça. Est-ce que ce serait ça les moulins? Par contre, je vois pas la ligne électrique là. Voilà, c'est ça. Ça que je dois voir. Voilà, d'accord, j'étais beaucoup trop sur la carte encore. Panagia, on a Panagia. Donc ici on voit les quatre moulins, la ligne électrique. Et ici on voit l'éolienne. Donc voilà. Vous voyez comment on fait pour se repérer un peu sur la carte. Après c'est nouveau, c'est vraiment de l'habitude. Hein. Il faut rajouter. Moi je fais pas mal aussi de Arma 3 hors Breaking Point, hein. C'est-à-dire en mode comme ça. Hein. En mode combat. C'est pour ça que après j'arrive à lire la carte assez bien. Donc on voit les éoliennes, on voit la ligne électrique avec les trois moulins. Donc là on est sûr, ici c'est Panagia. Il n'y a aucun doute. Et en zoomant bien, on peut presque on lit le panneau en Panagia. Pas hésiter à prendre du temps hein, dans l'observation. Hein. Ici, c'est un mouton. Ça a l'air très très calme. Alors, je regarde un peu mieux parce que là, je m'approche d'une autre ville qui est quand même un peu plus dans les terres. Là, j'étais vraiment au sud. Et là, c'est quand même un peu plus propice à l'embuscade. Hein. Il y a beaucoup plus de hauteur sur les côtés par rapport à où je viens. Il y a eu énormément de gens qui se mettent au niveau d'ici des moulins pour sniper. C'est pas la meilleure position, hein, pourtant. Hein. C'est assez quand même haut. Et on peut assez facilement les repérer. Hein. Dans le moulin, c'est totalement impossible. Il faut se mettre aussi au ras là. Ou derrière les cailloux. Donc là, comme ça, je vois personne ici non plus. De toute façon, un sniper qui se mettra en crête, c'est pas un bon sniper hein, pour moi. Se mettre sur la crête, c'est vraiment une position très risquée. Allez, on va avancer. Je vais avancer au plus direct hein, pour aller tout de suite me retrouver dans la végétation là. J'en ai un petit peu aux alentours quand même. Jamais hein, parce qu'il suffit que par exemple je cours et que je vois quelqu'un d'autre courir à côté de moi, pas parce que
tu vois. Pas parce que moi je cours que l'autre m'a forcément vu. Hein. Ça, c'est souvent celui qui voit le premier qui a l'avantage. L'écoute est très importante aussi hein, dans le jeu. Hein. L'écoute, l'observation. Hein. Parce que là, c'est simple. Hein. Là, je meurs. Je me fais. Voilà, je me prends un tir. Il n'y a pas de. Voilà, je suis mort. Hein. Je recommence totalement à zéro mon personnage. Hein. C'est pas je récupère mon sac et tout le tout team. Hein. C'est pas du tout comme ça. Hein. Des gourdes, j'en ai. Le chien, ce serait un truc très sympa hein, si je pouvais en trouver un. Ça permettrait de montrer un peu comment ça marche. Le chien, c'est sympa, mais c'est un moyen qui, c'est un truc qui peut. Ouais, en effet, si je suis mort, mon corps tombe, mon corps reste et on peut me voler mon stuff. Hein. C'est-à-dire faut que l'autre joueur vienne sur mon corps. Après, au bout d'un certain moment, le stuff disparaît. Donc voilà, les trucs comme ça, là, les bambous, c'est l'endroit. C'est en gros, règle générale, c'est là où tous les véhicules sont cachés. Tous les véhicules, ils rentrent intégralement le véhicule dans le bambou et il n'est pas visible. C'est pour ça que c'est un endroit, quand on veut chercher un véhicule que des joueurs ont déposé, c'est souvent là qu'il faut fouiller. Alors moi, mon but là pour l'instant, c'est surtout de faire des frags. Moi, je suis hunter. Donc c'est pas parce que je fais des frags qu'il faut pas non plus aussi récupérer du matos intéressant. Il faut se méfier énormément de ces trucs, il y a énormément de gens qui campent les toits de ces trucs-là. Hein. C'est pas le meilleur point, très honnêtement. Parce que à plusieurs, quelqu'un qui se planque tout seul, en fait c'est des gens, ils se mettent à plat ventre et ils se mettent en troisième vue, c'est-à-dire qu'on les voit pas. Et une fois que le joueur il est vraiment au plus bas, il sort l'arme, il se met en position debout pour après l'aligner en coup de rafale. Le problème, c'est que si jamais les joueurs y sont à plusieurs, qui progressent à plusieurs, cette technique est très risquée. Parce qu'une riposte des autres joueurs peut tuer le. Peut tout simplement buter le mec qui attaque comme ça. Moi, je suis mort plusieurs fois de cette façon. Hein. C'est rageant. Vous voyez le temps, les précautions que je prends. Hein. Et il suffit qu'il y en a un qui soit sur le côté, là il me tire une rafale ou un coup de sniper et c'est vite, c'est pas le moment que ça ralentisse. Hein. Ça charge à mort. Hein. Il me met ça à plat ventre là. J'avance le plus plat possible parce que là je suis vraiment à découvert et quand ça charge, c'est-à-dire quand il y a la petite chaîne là qu'on voit, le chaînon rouge, ça veut dire qu'il y a une charge serveur. Et souvent, très souvent, quand ça charge, c'est qu'il y a soit du joueur dans les environs ou un nouveau contenu qui a été chargé. Moi j'ai toujours été un peu sniper mais j'ai jamais campé. Je me lasse vite. Hein. On va se mettre à l'abri là-dedans.
Ouais, ah, c'est une position où je suis très bas. On voit l'échelle. Là, il y a quelqu'un qui voudrait monter. Je pourrais l'abattre dès qu'il arrive sur le toit. Surtout que sur le toit, il y a un sac. Donc, des fois, il vaut mieux éviter d'aller chercher des trucs cons comme ça. Hein. Là-dedans, il risque d'y avoir pas grand-chose. Le mec qui monte, là, je peux même le buter. Quand il arrive, quand il a fini de monter, c'est-à-dire qu'il a encore les mains sur les barreaux. Là, le mec, je l'allume. Il peut même pas riposter, il peut rien faire. Il faut vite qu'il redescende pour soit il se map la vente. Moi, j'aurais déjà tiré une deuxième cartouche, voire une troisième même. Soit il veut prendre son arme, le temps qu'il prenne son arme, moi j'en aurais tiré encore une autre série. Il redescend, bah moi je tirerais sur les barreaux. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, c'est piégeux parce que. Les mecs qui pensent faire du frag en se mettant là dans des positions comme ça, bah moi si je devais attendre quelqu'un et camper, je préfère camper ici en fait. Je campe et j'attends spécialement que le gars aille là-bas, qu'il monte et qu'il aille explorer le toit. Là le toit il ira pas le chercher parce que en règle générale les joueurs sont méfiants et ils vont pas aller chercher pour un petit sac. Il y aura un container. Là, c'est possible qu'il y ait plus d'intérêt parce que les gens qui veulent réparer un véhicule ou réparer un hélico ou n'importe quoi, ils cherchent des pièces. Donc, il y a des pièces, il faut faire tous les containers, il n'y a pas le choix, il faut vraiment tout fouiller. Hein. Donc, là, par contre, là, un container sur un toit, automatiquement, ça donnera envie d'aller voir plus près. Donc, vous voyez, hein, je suis caché contre le bord de l'arbre. J'observe un peu les environs, voir si je repère pas un mouvement quelconque. Donc ici on a une casse, on voit déjà les containers. Ça c'est un endroit par contre qui peut être intéressant pour les joueurs qui cherchent des pièces de véhicule. Pour moi il n'y a aucun intérêt hein, puisque j'ai pas de pièces de véhicule. On entend là il souffle mon perso, c'est qu'en fait il faut que je boive. Hein. On va prendre une gourde. Hein. Voilà, donc là j'ai une gourde de vide déjà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces munitions, ça va pas sur mon calibre. Exactement, mais de toute façon derrière moi, regarde, hein, c'est du buisson, hein, donc je sais pourquoi je me positionne. Et puis de toute façon, là le mec il peut pas me tirer, donc il est obligé d'avancer. Donc le mec il est obligé de venir pour me tuer en rampant. S'il rampe, il a une butte. S'il vient en marchant, je l'entends, je l'entends, donc je me retourne et je le bute. Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses sur le toit. Donc là, je vais me mettre en position debout. C'est un peu risqué ce que je fais, mais bon. Ah, il y a une caisse. Hein. Il y a quand même du matos, peut-être un peu plus intéressant sur le toit. C'est qu'un arbre. Ah, vous voyez l'ouverture que j'ai là. Vous voyez, là quelqu'un qui veut se promener dans la ville, je me mets juste ici. Et c'est voilà, c'est open bar. Ah, pour voir, c'est du frag. De toute façon, moi je vais me positionner dans un endroit où il y a du passage. Je pense pas que du frag y en ait beaucoup hein, pour le moment. Hein. Pour ça qu'il y a très peu de gens qui tirent. Quand ça tire, c'est qu'un combat. En règle générale, les joueurs ils évitent de tirer pour
pas justement trahir leur position. Pareil, hein, une position vicieuse, hein, c'est de se mettre dans des arbres comme ça. Là, moi, je suis dos aux arbres. Donc, quelqu'un qui regarde me voit pas. Sauf que moi, j'ai un visu sur tout ça. Hein. Et là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui visite le village, hein, qui passe de porte en porte, tranquille. Hein. Moi, j'attends le moment opportun. Et boum, je l'éclate. Là, je pense que c'est un tir à 200 mètres, là. Manager. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans le village. Traverser quand même. Toujours observer, hein, comme je disais. Hein. Bon, là, on va rentrer, on va regarder un petit peu. La décaisse. Où il y a du matériel de réparation, hein. Ouais, c'est des caisses pourries, pistons hydrauliques, donc tout ça, électronique board, ça c'est pour les, tout ça c'est des équipements pour les hélicoptères. Hein. Pistons, c'est pour les rotors. Mills-Spice et Wesson, on a des armes assez puissantes, très bruyantes par contre. Je vais me contenter d'avoir mon pistolet, moins puissant. Mais par contre, beaucoup plus d'autonomie en cartouche. Je cherche pas à monter à l'étage, je m'en branle. Là, je recherche. C'est pas ici que je vais trouver un fusil sniper. Hein. Moi, je vais me concentrer surtout sur éventuellement de la nourriture, des boissons. Mais là, c'est pas ici que je vais trouver l'armement. Clairement. Hein. Voilà, je trouve que des machins, des trucs de céréales. Faire un tesson. Encore une caisse de matériaux de réparation. Hein. Donc, vous voyez. Un marteau modifié. Et ça a l'air d'être un gros marteau en plus. Du fluide hydraulique, ça c'est pour le liquide des les avions aussi. Tout ce qui est hélicoptère, du moins, je veux dire. C'est nécessaire pour l'hélicoptère, pour réparer tout ce qui est cloque alarme. Je sais pas ce que c'est que ce truc, c'est un nouveau truc. Je vois pas du tout l'utilité. Hein. Alarme cloque, je vois pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que ce serait une minuterie? Est-ce que c'est un bidon? Non, et voilà, il faut regarder dedans si c'est du sable ou de l'eau. Est-ce qu'on peut recharger ces gourdes? Ouh, bah super! Le télémètre, je le prends tout de suite. Donc là, le télémètre, c'est une arme, enfin, un outil. Indispensable pour le sniper. Le télémètre. Là, on va aller se mettre un peu plus quand même à l'abri. Je vais pas m'amuser à faire cette démonstration quand même à pleine vue, en pleine rue, en découvert. Je vais monter dans les ruines là. Voilà, vous voyez, je monte dans les ruines là. Oh, le télémètre, tout simplement, c'est ça. C'est un outil qui permet tout simplement d'avoir un affichage avec un zoom important. Je peux dézoomer. Et surtout, il m'indique sur le côté la distance à laquelle je vise avec l'azimut.
Si, c'est un... l'arme, c'est un truc 22, hein. C'est pas du tout puissant. Je tuerai jamais quelqu'un à 500 mètres, hein, avec ça. Je me ferai allumer, hein. Donc, normal, il y a le mode nocturne, il y a le mode vision nocturne aussi. En night, ouais. Oui, donc là, je peux voir la nuit. Donc là, le télémètre est quand même un outil très sympa que j'ai trouvé. Il manque plus que. C'est qu'à de l'IA, il manque plus que le fusil qui va bien, qui va avec. J'ai des bugs là, je commence à avoir des bugs graphiques. Hein. De toute façon, pour trouver vraiment des fusils snipe hein, de qualité, il faut être dans une base. Tu trouveras jamais un fusil snipe de qualité comme ça dans un village. Là, au pire, je trouverai quoi? Un machin. Soit je trouve du 22, un truc en 22, soit je trouve des vieux fusils en 300, en 303. 303, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il faut trouver la lunette qui va avec. Le 303 c'est pas mal mais il faut quand même avoir trouvé de la munition hein. Et il faut trouver la lunette aussi qui s'adapte hein. C'est un zombie qui court. Voyez, rien que ça peut être quelque chose qui peut montrer sa position. Donc là, je vais regarder. D'accord, il n'y a pas de l'eau. Regardez le zombie. Je suis très très à découvert. Hein. Faut éviter de faire ce que je fais. Hein. Bonsoir à toi, Image. Voyez là, on retrouve encore un bâtiment là. On appelle ça, nous on appelait ça les bâtiments en construction. C'est-à-dire que c'est le bâtiment, il n'est pas fini, et il y a des éléments qui peuvent être utiles dedans pour. Par contre, ça c'est bizarre. Il y a du barbelé de partout là. Regardez, pourquoi il s'est barbelé comme ça hein? Un bâtiment particulier ici en tout cas là c'est un garage donc utilitaire moi je m'en fous j'ai déjà beaucoup mieux j'ai un harnais toolbox donc la toolbox je la prends hein, c'est la boîte à outils un soda. Des céréales, des crunchies, Stover, je sais pas ce que c'est, Oven, je sais pas ce que c'est ce truc là, le Aven Stove. Un four, ouais, c'est pour créer une espèce de four d'après ce que j'ai pu comprendre. Méfie, pas j'entends courir là.
Encore des pièces ici, vous voyez. On trouve aussi des armes. Hein? Réduire les cannes d'essence. Vide, bien sûr. Donc le jerrycan d'essence, ça sera être un moyen de faire le plein d'un véhicule, enfin, après avoir été le remplir, hein, dans une station-service. Une boîte noire. Ouais, bah, si je suis pas regardé, c'est qu'elle doit pas être utilisable. Dire quoi, la boîte noire? Tu parles de ce truc là, des caisses? Ça, on peut rien prendre, je vois pas la boîte noire. Non, je dis que j'ai l'œil. Hein. À moins que ce soit une toute petite caisse de munitions, mais bon. Comme je disais, je commence à devenir. Je sais exactement où aller chercher quoi et quoi chercher. Et... Malheureusement, c'est pas ici qu'on va trouver le top du top en matos. Hein. Là, on est en train d'entendre des zombies qui spawnent surtout. Je vais aller faire un petit tour là dans la cabane. Zombie qui arrive en courant. Donc là, on n'a rien, des livres. Ici, on aura peut-être plus chance d'avoir des armes, des Makarov, des painkillers, des trucs, des painkillers, j'en ai plein, des bandages, j'en ai plein. Faut pas s'attendre à trouver des choses extraordinaires, hein, dans les villages. On trouve surtout de la nourriture. On trouve tout ce qui est les... Ça, c'est le groupe chat. Je cherche comment changer les types de les armes dans mon arme. Je peux changer les modes. Voilà, c'est ça, F. Donc voilà, là voilà, je suis en full auto. Là, je suis avec la baïonnette. Là, je suis en coup par coup. Voilà, c'est les différents modes de tir de l'arme. Donc là, je suis dans Panagia, dans une cabane, manifestement, je donne sur le sud-est. Le but, de toute façon, ça va être de partir par ici. Là, il y a un camp. Donc je vais chercher plein nord, la ligne électrique. Et on va converger sur la ligne pleine électrique. Donc plein nord, ligne électrique, voilà. Base à vue, c'est là-haut. Donc on va aller là-bas. Il risque d'y avoir du matériel et notamment un fusil un peu plus intéressant pour moi. Par contre, on est vachement. On va être vachement à découvert. Donc j'irai, je pense, plutôt la nuit. Je vais pas y monter comme ça en pleine journée, c'est très risqué. On commence à arriver vraiment dans la carte, pas dans le centre de la carte, disons dans une partie de la carte un peu. Voilà, je m'arrête parce que je vois un zombie qui court. Ouais. Ce serait peut-être un joueur. Hein. Voilà, on cherche s'il n'y a pas des véhicules. Non.
C'est souvent dans ces broussailles que, dans ces bambous, que les joueurs cachent des caisses, qui cachent des véhicules. Donc oui, là je casse freine. Là. Ah, ça c'est le problème, oui, ça charge, et puis des moments, c'est là où on peut se faire éclater à cause du lag. Donc à noter qu'après les caisses et les véhicules, elles sont uniquement sur le serveur où on joue. Hein. Le personnage lui garde ses paramètres. Le personnage garde son équipement et tout le personnage est sauvegardé son matériel. Et il est téléporté sur. Il est. Dès qu'on va sur un autre serveur, il revient tel qu'il est. Hein. C'est-à-dire qu'on conserve tout ce qu'on peut avoir de serveur en serveur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui font des sauts. Il y en a beaucoup qui font des sauts de serveur à serveur. C'est pour ça qu'il y a un timing. C'est assez chiant. Hein. Il y en a, ils font beaucoup ça. Mais par contre, si par exemple là, moi, je trouve un véhicule sur ce serveur-là, et eh ben, je pourrais l'utiliser uniquement sur ce serveur-là. Les véhicules et les caisses et les maisons sont sauvegardés par serveur. Tout l'équipement du joueur est sauvegardé sur un serveur centralisé et ensuite c'est la connexion du joueur sur le serveur de même type qui régénérera son inventaire. Donc peu importe le serveur où je me connecte, si c'est un serveur Altis, je me retrouverai avec tous les équipements que j'ai actuellement. Et il faut que ce soit impérativement un serveur avec Altis. Si c'est pas Altis, et ben j'aurai que dalle, hein. Je recommence une partie. On va essayer de se rapprocher le plus à découvert possible, le moins à découvert possible. Hein. Là, par contre, il y a des ouvertures pour tirer qui sont quand même un peu plus vicieuses. Ça, ce sont des grandes tours. Hein. Donc, en règle générale, il y a de l'armement, hein. Il y a du matos. Hein. Il y en a deux en plus. Alors, on va essayer. J'arrive plus à me souvenir de la touche pour le cas, c'est la compa. C'est pas ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé la nuit arrivait beaucoup plus vite, hein. Ils ont mis beaucoup plus de durée de jour. Je cherche comment monter là-haut sans être trop à découvert. À mon avis, il va falloir. Enfin, moi je pense que le mieux c'est d'attendre la nuit. Hein. Parce que là, il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment, faut monter, c'est vraiment, ça domine. Alors sinon, je tente vraiment une percée à la kamikaze. Hein. Il suffit qu'il y a quelqu'un qui soit dans la tour, qui arrive devant la fenêtre. Et lui, bah, il m'éclate tout simplement. Il m'éclate au final là, quand il voit que je commence à monter, bah, il descend juste une marche pour où il se positionne de façon à me tirer. Souvent ce qu'ils font les joueurs, hein, ils se mettent sur les toits comme ça et ils se mettent à plat ventre. Hein. Ils se mettent à plat ventre et ils observent ce qui arrive par le bas en troisième personne. Une fois qu'il y a des joueurs qu'ils ont repérés, l'autre continue à courir sans se douter que bah. Il y a lui qui est planqué comme un con sur le toit.
Là, c'est du camping. Là, c'est des méthodes de campeur à puissance 4. Hein. L'instant, il n'y a pas un mouvement. Mètres. Donc là, hormis avec un fusil sniper où là, le mec pourrait vraiment commencer à chercher à m'engager, là même avec l'arme que je dispose, c'est quand même assez tendu. Là, je verrais quelqu'un apparaître à la fenêtre. Il faudrait vraiment que je lui mette plusieurs tirs dessus pour l'avoir. Moyen d'avancer un petit peu. Hein. Ouais, moi je suis un tueur, hein, donc là, je suis un peu en mode kamikaze. Hein. Moi, je pense que je vais tenter une montée comme ça, hein, direct. Hein. Parce que je vais faire des petits bonds. Et je pense que je vais tenter d'y aller franco. Hein. Et c'est de bondir de buisson en buisson. Mais... Moi, je pense que je vais essayer d'y monter comme ça. Hein. Truc qui me rassure pas, là on voit il y a une porte qui est ouverte. C'est que si la porte elle était ouverte, c'est que le bâtiment a été visité ou qu'il y a des zombies. Pareil, la porte sur le toit est ouverte, c'est un signe. Faut savoir en fait, voilà, la porte là aussi est ouverte. Pareil pour le toit, ça c'est des signes qui veulent dire que soit il y a des zombies. Ou que surtout il y a des joueurs. Parce que quand ça respawn sur le serveur, tout est fermé. Il n'y a aucune porte d'ouverte. Soit que la position des portes est importante. Et on voit qu'ici cette porte, c'est la porte. C'est la Quand on rentre, on est bloqué dans une pièce où il y a deux portes. Et la porte est ouverte ici et elle était ouverte ici. C'est qu'il y a des joueurs qui sont venus explorer. Des joueurs, un joueur en tout cas. Il y a eu le passage de quelque chose. Donc qui dit joueur dit peut-être aussi piège. Ça peut dire plein de choses. Hein. Oui, l'approche est très très risquée. On est vraiment à découvert complet. Là, pour quelqu'un qui me regarde, en étant sur la tour, ça saute aux yeux. Pour ça que ce genre de bâtiment, c'est des choses qu'il faut plutôt investir la nuit. Donc là, je fais un peu les choses un peu à contre-courant, hein, c'est le cas de le dire. Hein. J'essaie de repérer éventuellement un point d'observation, hein, mais comme je disais tout à l'heure, hein, si c'est des mecs qui jouent méthode, mets-toi du même à plat ventre et puis je te regarde en troisième personne. Le mec, il aura pas forcément un visu de très bonne qualité sur la longue distance, mais il aura un très bon visu quand je serai en très proche. C'est-à-dire que là, je suis peut-être un peu trop loin pour être visible en troisième personne.
la méthode a ses limites, c'est-à-dire la limite, c'est souvent d'être vraiment dans le bas de la tour. Là maintenant, je commence à approcher très près. Donc là, je casse le. Voilà, déjà, il y a une tour qui me verra plus. Salut à toi, Tupac. Donc pareil, je regarde un peu mes arrières là parce que comme je suis en train de monter, c'est pas possible qu'il y ait d'autres joueurs qui me voient, qui m'observent peut-être en train de progresser sur le truc là. Ah, peut-être qu'ils seraient tentés de me mettre en ligne de mire. M'éclater, hein, continuer à monter. Voilà, là on a passé le cap de la végétation, il n'y a plus rien. Très rapide, hein. Il faut pas que je m'éternise. Continue à monter sur la tour. Ça me ferait chier de me prendre un tir là. Mais bon. Hein. Et voilà. Oui, hein, c'est ce que je disais. Il y a un putain de campeur. Donc là, ce que je fais, tout de suite, je me replie. Et merde. On va tout de suite se bander. Eh merde! Je l'ai entendu. Ouais, bah ouais, j'étais en train de me soigner et l'enfoiré est venu me buter en courant. Vous avez vu, hein? C'est vraiment vicieux, hein? Pour ça qu'il faut vachement observer et tout. C'est chiant. Okay, j'ai même pas eu le temps de réagir, hein? Le mec, il n'était pas dans la tour, il était en train de progresser sur la tour. Donc oui, hein, comme quoi, le premier qui voit, c'est souvent celui qui a le dessus. Donc là, le mec est en train de me dépouiller sûrement mon matos. Et ah, je pense que c'est comme tu dis, hein, Tupac, je pense qu'ils étaient à deux. Je pense qu'ils étaient deux, puisque moi j'ai entendu dans un premier temps des tirs de snipe et l'autre. Je pense qu'en fait ils étaient un était planqué dans la tour et l'autre il devait être planqué dans la végétation pour justement faire une attaque plus offensive en cas de repli, ce que j'étais en train de faire. Parce que le mec qui m'a snipé m'a touché, mais m'a pas eu. Donc voilà, et puis bah là je suis mort hein, complètement. Donc je suis obligé de recommencer un personnage tout à fait à zéro, comme on a vu tout à l'heure. Bah écoutez, moi je vais pas repartir comme maintenant à nouveau dans un autre perso. Hein. On refera un autre test. Hein. C'était pour voir un peu les nouveautés. Hein. En tout cas, bon bah ça a pas changé. Donc ouais, j'ai une connexion fibre Tupac. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai. Normalement, je dois avoir une bonne qualité. Hein. Moi j'ai un bon débit. Hein. J'ai 100 mégas descendant, 10 mégas montant. Hein. Là, je suis même pas à 10 mégas montant, sinon personne pourrait voir, mais là je monte à pratiquement à plus de 3 mégas sur le Twitch.
Donc voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais m'en arrêter là pour ce soir. Ce que je vais en faire, je vais en profiter pour un peu installer le nouveau jeu qu'on m'a envoyé pour le paramétrer, histoire peut-être de le, pourquoi pas peut-être de le montrer un peu demain, on sait jamais. Sinon, bah, vous retrouverez bah, l'intégralité des. Si vous retrouverez l'intégralité des épisodes et tout ce qu'on a vu ce soir, bah, il faudra tout simplement aller faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. Et vous pourrez admirer cette mort à nouveau. Hein. Donc vous voyez, hein, malgré toutes les précautions que j'ai prises, je n'ai pu ni voir les deux bonhommes. Alors le nouveau jeu, le nom, je ne l'ai plus en tête. Hein. Je vais mettre en AFK. Comme ça, je vais pouvoir aller regarder en même temps. Je vais devoir lancer. Hop. Le choix. Tac. Obligé de relancer une création de perso. Alors le nouveau jeu, j'ai déjà bouffé le titre. Hein. Actarus pourra le dire hein, plus facilement que moi. Hop, à bord. Ouais, on revient à l'accueil des connexions. Donc le jeu, il faut que je l'installe, il faut que je teste tout. Le jeu, c'est un nouveau jeu spatial qui s'appelle Empyrion. Empyrion Galactic Survival. Donc c'est un jeu qui m'a été offert par Actarus. Hein. Et ben je vais tester ça et puis on verra ce qu'il en est. On va le paramétrer déjà pour qu'on puisse streamer avec. Voilà, bah sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci d'avoir suivi ce live et peut-être le précédent. Et puis bah, moi je vous dis à demain, sûrement pour une autre petite session sur différents jeux. Merci de m'avoir suivi. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao.